The Wordy. Ça me fait tellement plaisir de revenir à la 3G. Ah, ah ouais. C'est je sais même pas dire si c'est ma version préférée parce que argent, enfin j'ai beaucoup aimé. Oh, bref. Donc on est dans le passé. Voilà, on a atterri dans le passé. Moi perso j'ai exploré un petit peu autour, voir un petit peu comment ils avaient foutu ça. Et Zikaos m'a rattrapé, et plus il m'a plus que rattrapé, il m'a carrément devancé. En poursuivant la quête principale, donc il va y avoir du combat. Alors est-ce que mes Pokémon sont déjà un moment 15, ça commence mal hein. Ouais, hello tout le monde. Ouais. Alors ouais, donc moi j'ai rattrapé, ce qu'on vous dit pas c'est que j'ai rattrapé juste avant le live là. Ouais. Parce que, en fait, vous avez deux épisodes qui étaient pas, quand nous on le lance, qui étaient pas encore disponibles, et du coup je savais pas jusqu'où il fallait que j'avance. C'est ma faute. Après, entre temps, moi j'ai fait une quête qui rappellera une quête de Soul Silver et Earth Gold, si je me trompe pas, qui est une quête où en fait on affronte les Evoli. Ouais, les Geisha. C'est ça, les Geisha avec les évolutions d'Evoli. Sauf que dans ce jeu, ils ont rien trouvé de mieux que de mettre toutes les 8 évolutions à affronter d'affilée, sans pause, et avec forcément 3-4, enfin entre 1 et 5 levels de plus que vous. C'est ça. Donc, pour au final gagner principalement la chose qui était la plus importante, qui était le tampon pour le centre commercial, qui m'a permis de débloquer deux types d'achats différents, donc les pierres d'évolution, où je peux acheter pierre soleil, pierre lune, pierre plante, pierre feu, pierre eau, pierre foudre. Donc ça c'est vraiment bien. Ouais, ça c'est nice. Et des objets de combat style les ballons, qui permettent à un Pokémon de tanker une attaque sol une fois par exemple. Donc qui permet d'être immunisé aux attaques sol si le Pokémon ne prend pas une attaque style tombe roche ou tout comme ça. Voilà, et du coup là on est reparti dans le passé pour je ne sais plus quelle raison. je vous avouerais que j'ai un peu avancé. L'objectif étant de réanimer Charlotte, ou enfin, la fille une des filles qui s'est fait agresser. Voilà. Et t'es allé où? Excusez-moi, je me suis couché un peu très tôt ce matin, c'est-à-dire 8h30 du matin. Alors là, je suis parti de là, de la ville. Je suis allé à Ambrette, donc là c'est en haut à gauche, je pense. Pour toi. Ouais, et là tu remontes tout en haut de la route. Ok. C'est ça, même pas en vrai. Même pas en vrai. J'ai pas pris de 5ème Pokémon hein. Ah si, j'ai pris Gloopty. Ah, tu me rassures. Ouais, voilà. Il était momentanément absent. Mais après, il... Voilà, et là, c'est la maison à droite. Ok, merci. J'ai pris un peu de chocolat pour me réconforter parce que j'ai jeté un petit coup d'œil à ce qui nous attend et... Ça va pas être triste. Waouh, ok, donc là c'est les deux sœurs qu'on avait croisées je crois à un moment, qui sont la sœur du temps et la sœur de l'espace. Ça nous rappellera pas sans... Patiné, diamant, ouais. Perle et diamant. Ah oui, je me souviens, c'est vrai qu'il y a je sais plus qui a été tourné en pierre et que doit essayer de réanimer. C'est Venom qui s'est transformé en pierre pour nous aider. Ok. Donc eux, ne veulent pas nous aider parce qu'ils doivent aider. Ils sont juste là pour stopper Storm 9, je sais pas ce que c'est.
Alors, j'essaie de retrouver le fil de ma soluce. Voilà. Ah, on a eu un truc, timing arrière. Hein. Ok, donc là, c'est un truc qui permet de maîtriser le flot du temps. Ok, bon. Alors. Ça, il fallait dans la Shredden Village. Normalement, c'est cette Keblo. Par des scouts. Ah non, c'est ouvert. D'accord. Sauvegarde. Eh oui, le Shredden Village. Là, prends le truc. Ouais, non, mais attends, je. On fait un petit fouillage. On fouille quand même avant. J'ai pas le Ah, mais temps. t'as, mais ça, ah, mais si, on l'a déjà fouillé. Pardon. D'accord. Ça, c'est Heracross Alors. après. Okay. Il y a un bateau là. Là. Et... Alors, attends, du coup, c'est à droite, Sheridan Village. Ouais. Là, c'est tout en tout à droite. Oh, c'est quoi ce bateau du futur là pour le passé? Il y a des baies là. Là, du coup, je sais pas trop ce qu'il y a, je vais jeter un coup d'œil. Bon, profiter pour faire pexouiller un petit peu mes Pokémon qui peuvent aller jusqu'au niveau 75. Moi, il me restait des bonbons d'avance, donc. Ok. Ouais, Heracrosswood. c'est vrai, il faudra y aller après ça. Oh, les bruits, ça pue le. J'en profite maintenant, hein, tant qu'à faire. Comme ça, je regarde s'il y a des objets. Un max rappel, on connaît. Donc là, il va se passer quelque chose. Oh putain. Salut. Coucou. Anime, d'accord. Oh non non Ah non 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 non. là là. C'est le retour. C'est le retour d'Angie. Dis-moi oui. Je veux pas la voir. Ça m'intéresse pas. Non 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 non, on a dit non. Là, on va faire un blocage si vous ne croyez pas. On met les yeux devant. On met les mains devant les yeux et ça tout le temps. La 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 la. Voilà, les thèmes de la saison 3 sont vraiment ah oui, oula. Ah, ça commence là les combats, ça y est. Ok. On va prendre lui, on va prendre lui et on va prendre lui. Ah, Meganium, Shiny. Il a fait exactement la même attaque que moi. D'accord. Ok. Togetis. Aïe. Adios. Crobat, on va garder.
Allez, crache ton molar du petit là. On sauvegarde. Aïe. Voilà. C'est parfait. Surtout ne bougez plus. C'est horrible. Alors, est-ce que je vais... Ne me dis pas que j'ai pas acheté les racines. J'ai un qui crève. L'un qui est pas bien. À toi de jouer, coton! Oh putain, sans gousse, quoi. Après, lui, j'aurais pas pu l'empoisonner parce qu'il a, il doit certainement avoir. Vaccin. C'est quoi ça, vaccin? Immunisé au poison. Ah. Quoi? Ah bah, il peut. Oh là 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 là. Oh non! C'était... Ah d'accord. C'était pitoyable. C'était pitoyable. Alors. Là. Bon, il y en a un qui est mort. Du coup, je te remets mon écran. Forcément. Voilà. Toc. Voilà. Mais comment ça la lance-flamme? Depuis quand Togeki ça lance-flamme? Alors le méganium, y a l'autre aussi, on va envoyer d'abord Faramp, puis Noiverne. Non, mais on fait quoi là? Après la Togeki, Lupia aussi, enfin. Avec niveau 68, mais allez, je vais essayer ça. Donc, lui. Lui. Non. Oh, ça passe si près. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, on voit ton écran déjà. Remettre le jeu, oui, mais je le cherchais. Ça commence déjà, t'imagines qu'un premier combat on commence déjà à... Allez, tu dégages toi. Putain, c'est passé. Allez, le 2. Ah, oh, sérieux. Rassure, je ne fais pas des choses qui ne sont interdites au moins 18 ans. Juste, je veux passer à la discussion rapidement. Je te dis, moi, j'ai que à laisser appuyer sur A et ça passe. Hein. Allez, putain, il est pas dommage. Ah, on peut tabler sur le fait qu'il se... Ouais, ok, si tu veux. Ouh la vache. Oh, le blizzard qui passe. Mais il tank un blizzard, lui. Oh, mais putain, mais... Eh, le méganium me fait... Mais alors, un point chier avec ses freeze-dry. Avec ses protections. Oh non, putain, j'aurais dû faire... repos, enfin atterrissage. Ok, les deux premiers sont morts. Ça y est, c'est passé. Merci pour le heal. Allez, lui dégage. Rien par ici. Voilà, on n'en parle plus de Togeki, au moins. Il
Il est type combat ou pas Mangouste? Non, il est normal juste. Let's voilà. Go. Alors, il y a certainement une étape que j'ai dû rater. Il n'y a rien par ici. Donc ça, c'est bon. Ah, il faut aller dormir. Est-ce que t'es allé dormir? Non. Oh, Scarabrut. Tiens, il résiste pas. C'est un guerrier, lui. Vas-y, je le prends. Alors, il faut d'abord aller à la maison en haut à droite. À la maison de Cella. Ah mais oh. Mais non, il se tue. Oh, il était trop bête pour vivre celui-là. Ça devient une habitude avec toi. Ah c'est ah, là, bah, là bah, tu avais pile poil au moment quoi. Elle est jolie elle. C'est là. Ouais, ça fait. Ça change des cheveux tellement colorés, elle fait très classique. I'm in. Anjou. Oh, c'est méga. Ça fait là. Ok. Je peux aller replier ou pas? Ah oui. Ah mais faut aller au lit après. Ouais, c'est ce que je pensais. Mmh. C'est lequel ton lit? C'est celui-là. Ah, ouais. C'est celui-là. Oh, et ils ont remis le thème de Chrono Trigger. Ah. C'est classe. Comme par hasard, la compagnie s'appelle Réjuvénation Compagnie. Ouais. Quoi? Ouais. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent de cette région, donc Aevium, sont en fait des immigrants d'une autre région qui s'appellerait Miera. Ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui sont supposées avoir des pouvoirs ou des particularités sont des personnes d'une autre région. Ça expliquerait beaucoup de choses. Ok, tu peux retourner chez Vivian. Là on est au centre de purification. Si on a des Pokémon Shadow, c'est le moment de les. Mmh. Oh, c'est les billes. Alors, c'est où putain le. La maison la de forêt Heracross. Non, les Heracross. La forêt? Ouais. C'est descend. Ah, voilà. C'est là.
Eh mais c'est pas là qu'il faut aller? Non, c'est pas là. Qu'est-ce que t'as fait une fois que t'as eu la vision de la meuf là qui se baladait en tenue Re blanche? retourne à la Vivian House à gauche, en haut à gauche. Voilà. Tu vas tout droit. Tout droit. Voilà, ça s'est ouvert et. Ah ok d'accord. Oh ce sera plus le combat ça. Ouais, c'est pour ça, je me suis dit. Oula, c'est quoi les Pokémon qu'elle a, elle? Oh, je suis pas rassuré là. On va adapter les équipes. Ah, ça va, y a pas de combat après. Bah, tu reprends le contrôle, quoi. Tu peux. Autre 4, hein. Ok, Alors. les... Oh, le dragon. Voilà, et c'est là qu'on y va après. Ah là. Il y a un cross machin. Ok d'accord. Je suis en train juste de trier, d'anticiper. Parce que vu ce qui nous attend, je te conseille de prendre un Pokémon haut avec toi. Ouais, ça va, j'ai Rotaria avec moi. D'accord, c'est parti. Voilà. Donc lui, Vol il faut le psy. chase sans le sans se faire sans marcher dans les branches. Ah purée, alors ça je suis pas bon. Non, moi non plus, je suis une vraie bille. Ça devrait être bon du coup avec ça. Ouais, Amélia. Elle est où? Elle est là. Bouger, j'aurais pu revenir en arrière aussi. Il est là, je vais le pousser de l'autre côté. Parce que c'est exactement comme dans la version argent en fait. T'as un passage comme ça où t'as un canard artichaut que tu dois faire fuir. Ouais, je sais, je m'en souviens. Donc il est là, je vais le pousser vers ma collègue. Normalement, c'est pas trop débile là, de pouvoir l'attraper. Oh, tu sais, tu. Voilà, ça va la capter. Ouais, tu l'as vu, oui, mais t'aurais pu attraper Cornichon, ouais. Tuer. Voilà. Oh, il est trop stylé le. Il est trop stylé la version shiny. Ah putain, il est revenu là, quoi. Ouh, ça va me gonfler, ça. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait avec lui? Alors, en fait, il faut le repousser vers tes collègues. Genre, tu... Genre, là, tu vois, tu passes, voilà, de l'autre côté. Ok. Mais elle l'a même pas chopé! Ouais, après, on peut pas trop leur en demander, quoi. Après, voilà, t'en es au même niveau que moi, là. Je sens que ça va me Il est où là? gonfler. Il est parti où? Il repart au tout début. Ah merde, putain, il y est pas.
Oh le bâtard, il est là. C'est marrant, hein. Ouais, non, mais l'autre, elle te regarde en de Ouais, dire. mais tes collègues, vraiment, ils servent à rien, quoi. T'es là, quoi. Il est où? Mais elle sert à quoi? Ok, j'ai compris un truc. Ça, il fallait le comprendre. Tu sais, tous les points au sol Ouais, là, et ouais. c'est les positions du Heracross en fait. Encore. Ah putain, ça y est, j'ai compris. D'accord, ok, c'est T'as bon. compris Ouais, quoi? c'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire maintenant. Alors, suis-moi donc. Voilà. Oh, j'ai trouvé. Peut-être, hein. Mais Voilà. Et donc là. Si je le pousse, il va se mettre là-bas. Le pouce il se remet là-bas. Moi ce que je comprends pas c'est où est-ce qu'il faut l'amener. Ouais, moi c'est surtout ça en fait. Est-ce qu'il faut le faire sortir? Est-ce qu'il faut le ramener à quelqu'un? Est-ce qu'il faut juste essayer d'attraper? Attends, mais on a obtenu un objet. Je teste un truc. Si je vais là-haut, il repart en bas. Si je passe par en bas, il va repartir là-haut. C'est ça. Là, si je viens par ici, il se met au même endroit que tout à l'heure. Là. C'est une Après, autre je pose ça, position. il va là. Là. Ok. Genre là, il se remet ici, donc ça change rien. Ah, c'est probable que je sois là. La merde de tout ce qu'il faut capturer, machin. C'est à elle qu'il faut l'amener, quoi. Attends. T'as réussi à l'avoir? Non, j'ai pas. Quoi? Alors, je pense plus que c'est un shiny. Ouais. Non, parce que regarde, il est là. Enculé, comment c'est prise de tête ça? Oh la vache. Alors attends, parce qu'il y a une explication. Change the terrain into the bottom right part of the forest, then sneak underneath the twigs in the bottom left corner of that to get Heracross. Lire ça. Ah, j'ai trouvé. C'est bon. Ah, je vois.
En fait, c'est un petit passage dessous, là-bas, qui te permet en fait de pas faire du bruit, voilà. Non. Voilà, il passe bien dessous. Colle-toi au mur, colle-toi aux arbres, voilà. Ok. Ouais, fallait le savoir, hein. Comme d'hab, ce jeu est bien, mais alors là... Rien n'est évident, quoi. Au final, on tient à préciser que je l'ai quand même capturé, moi, les Heracross. Pourquoi toi, il est bleu ? Il y a son pote qui va venir après, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Enter at the village. Ouais, il va y avoir un combat là. Ouais, j'aimerais bien pouvoir sauvegarder avant. Tu peux. Ah, je me sauverai pas bon. Les Pokémon, j'ai envie de voir si je m'en sors comme ça, mais... J'ai même pas pu les heal, quoi. Alors, du coup, nanana... Tu peux me mettre au lion, moi. Déjà, est-ce que je peux retourner à la chambre de Purée? Non. Ah ouais, ils ont mis les combats contre Regirock, Registeel et... J'apprécie. Franchement, j'apprécie. Sauvegarde, c'est bien. Ah putain, on peut soigner juste avant, ça c'est cool. Ok. Oh le... Oh la musique. Toxique, c'est ça. Ah d'accord, Anjou elle a un Regice, elle. Ouais, c'est échange. Ça. Donc il manque plus que Registeel, ça veut dire que Haruki elle a Registeel. Ah c'est une espèce de poisson dégueulasse là, c'est eau et psy ça, d'accord. Il file toxique comme ça direct. Oh mais sérieusement. Quoi un méga la Kazan? Oula. Oh oui let's go. Merci Pancham. J'étais dans la merde.
Mais il met que des critiques. C'est ingérable. Oui, bien sûr. Bien sûr. T'as raison. Voilà. Miguel la casa, d'accord. Allez, Rina Stock, c'est bon. Il va me détruire. Ah, d'accord, ok, je comprends le problème que c'est. Oh, j'ai pas perdu de fric. Sérieux? D'accord. Bon. On va procéder à quelques changements. On va prendre... lui. Place de lui. C'est bon, on va prendre... c'est passé. Oh, merci Magnézon. Rien contre le psy. Mais t'as Mentali normalement. Non. Et tu l'as mis où Mentali? Oh c'est stylé. J'ai jamais fait gaffe. Oui. C'est cool. Tu peux les modifier ouais, comme je... les noms. Tu l'as foutu où ton Mentali? Bah je sais pas. Ah ouais, contre le psy, Moi, ce qui a fait, qui a été très efficace, là, c'est même pas le type psy, c'était un Pokémon de foudre rapide et puissant. Limite, c'est Lucanon. Lucanon, il est bien parce qu'il est type insecte aussi. Ouais. Ah, putain. Je sais pas, je me plante dans les touches. Ok. Donc au début, Espérance ça passe. Il y a Tyranocif. Tyranocif, il a ensuite, il envoie qui? Il envoie Alakazam. Donc il se fait un Pokémon type Ténèbre pour le one shot. Ouais, j'en ai, mais je peux pas les faire monter. Hein. Ah, qu'est-ce qui contour le psy sinon? Ah si, j'ai lui avec Excisor. Ça peut passer. Ah si, attends. En gros, ouais, il faut soit Ténèbres, soit un truc Spectre, soit un truc Insecte. Ça, ensuite il envoie Rhinastock, donc il te faut encore de l'eau, ou du sol, avec Earthquake, par exemple. En fait, c'est Gloopty qui me sert à rien, en fait. Ah ouais, non, le petit là, au contraire. Hein. Ouais, je pense que... Non, non, mais... En fait, lui, Derling, je vais le sacrifier au début. Comme, ouais. Comme ça, je garde... comment il s'appelle Orataria, pour l'autre avec sa corne, là. Okay. Ok, ouais, non, c'est vrai que t'as encore une niche, donc c'est plante. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais essayer, hein, je vais voir. T'as qu'avec mon équipe de briquet de broc. Alors. On va refaire la orniche. Je...
tu le passes pas la prochaine fois, soit mets plutôt Rattari en premier et tu mettrais Dirling pour le deuxième Pokémon. Lui voilà. Oh la. Mais c'est trollé! Mais c'est trollé! Tu peux pas te permettre de faire. Ah ouais, non, mais t'as vraiment aucun Pokémon qui est rapide. Volt Switch! Et non! Et non, il est trop rapide! Ah ouais, je comprends pourquoi tu galères. Ah putain, si j'ai parlé de la thune en fait, j'ai pas fait gaffe. Pourtant, j'ai réussi à le fumer tout à l'heure. Hein. Ouais, après voilà, si. Alors. Alors. Donc. J'ai les hyper potions. Je regarde si j'ai pas des bonbons qui traînent, ça m'étonnerait. Hein. En fait, c'est, alors. En fait j'aurais pas dû faire. Comment ça s'appelle Sword Dance. C'est Excisor, j'aurais dû faire direct. Oui. Ouais, alors après, si je peux te donner un conseil, swap deux Pokémon. Est-ce que tu devrais pas swap juste. Comment elle s'appelle Orataria avec. Comment elle s'appelle Yolda. Avec Espérance, ouais, avec Vildem. Pourquoi? Parce qu'en fait, Tyranocif, il est Roche Ténèbres. Ouais. Oui, alors que. Comment il s'appelle Machin Bidule Rhinastock, lui, il est Roche Sol. Donc ça veut dire que tu fais x4 avec Vivaldin sur le deuxième. Ouais. Là où Espérance, ça change rien à essayer. Bon, déjà peut-être que ça te fera gagner un peu. Mm. Et remonte tes Pokémon, voir vite fait sur ton PC. Sur le PC. Wow. Ouais, parce qu'ils sont pas montés quoi. Non mais là je vois pas s'ils sont montés ou pas. Va à côté de l'Olympe. Attends. Machamp contre Tyranocif, il peut le calmer tout de suite. Rhinastock c'est pareil. Ah non, si ça passe. Il est sol en fait. Oui donc non, franchement c'est pas Tyranocif. Moi c'est après qui fait plus peur. C'est putain de poisson là. Grayena, tu l'as. Il est 50. Ah ouais. Et voilà. Ok. Bah il va falloir. Regarde le TCT. T'as pas une attaque ténèbre peut-être, un truc comme ça qui peut être utile. Bah en fait ce qu'il faudrait surtout c'est un type ténèbre pour que je puisse l'attendre que ça putain l'attaque. Ou alors casser son bon, terrain. Essayons comme ça. En fait non c'est pas un terrain qui fait ça. C'est un objet qu'elle a sur elle. Ouais je vais essayer le même setup mais en faisant pas de conneries. Tu sais que j'ai des potions aussi. Pourquoi tu fais Moonblast? Ah, j'ai rien dit. Là tu vas envoyer... Ah, ouais, là, quoi Et il m'envoie direct Excisor là, avec chaque coup. Bah ouais, essaye. Hein. Brrrr.
Nickel. Attends, c'est... garde-le. Si ouais, je vois qui c'est. Kazam. Kazam, garde-le. Garde-le. Non, non, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Laisse-le, Shakoup. C'est un psy, donc tu refais Xizor. Ah. Il est rapide, lui. Ok. Oh, bien joué. Franchement, ça, oui. Je pense que c'est ça qui te sauve. Envoie, ouais, ça et envoie Noivern après. Tente ton Hurricane. Hein. Mais quel enfoiré! Oh putain, tu vas le passer potentiellement. Il reste Rhinastock, mec, le x4, il est là, c'est là, c'est tout de suite là. Unleash, on... Non. Oh là 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 là. Oh, oh le mec. Le méga horn avec. Ils sont pas dans l'Olympe pour rien, ils ne sont pas dans l'Olympe pour rien. On le sait. Ah, avoue quand même, t'as bien sué du cul quand t'as eu méga horn passé. Oh la vache. Oula, oula, je crois qu'on a bousillé le futur, non. C'est exactement ça. C'est quoi? What? Chou, mon gars. Oh, y'a le masque de Majora. Qu'est-ce qu'il fout là? Ils ont mis un masque de Majora. Alors là. Time to start a new life, je pense, parce que we screw up, c'est. On craint quoi. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah non, mais non, mais. Non, 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 mais là je signe pas pour ça, moi. Qu'est-ce qui se passe? En gros, grosso modo, je sais pas ce qu'on a branlé sur le passé, le futur, mais là ils veulent nous bouffer. Oh putain, on atterrit maintenant dans un endroit de cannibale. Quand on vous dit que ce jeu il est complètement chelou. Ah ouais, en plus c'est des gosses, hein, je tiens à préciser. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pokémon Egg. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Par contre, tu t'es rendu compte que t'as quand même des trucs de personnages en gros? Ouais, je sais, ouais. C'est, en fait, en communication avec eux, ça veut dire que t'es. C'est comme dans le manoir, t'es, je sais pas si tu t'en souviens. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Il y a une base aussi, à un moment donné, tu. Ok. Ouais, bon, là, il nous attend un bon moment dans cette zone, je pense. Ouais. Et de toute façon, c'est la pause. C'est ça. J'essaie juste d'arriver au même niveau que toi, comme ça en fait j'ai pas. Bah en fait tu rentres dans la grotte un petit peu à gauche. Oh, on dirait la team magma. Ouais. En plus c'est un grunt, c'est genre un sbire quoi. Je sens qu'on va avoir beaucoup de combats à faire dans cette zone. Ouais. Là,
Là, c'est à gauche, tu m'as dit, du coup? Ouais, et en haut. Les B, ça donne rien du tout. Hein. Y a rien. Y a un haut, tac. Là, t'as une scène. En tout cas, c'était bien sympathique. On a bien Ah ouais, avancé. quand on vous dit que là maintenant on part dans des mondes parallèles ou je sais pas ce que c'est, je pense qu'on aura tout fait à peu près en termes de comment ça s'appelle Ouais, en termes de possibilités fiction. Oui, voilà. Ça part un petit peu dans tous les sens, en vrai. Un peu trop même. Ouais, c'est ça. C'est compliqué d'avoir la patience de suivre ça parce que. Genre là, on est quoi? On est page 400. On est page 416 et on arrêtera de la zone dans. Oula, oula, oula. Après, il manque toutes les quêtes annexes, les comment ça Oui, mais s'appelle? je. Il y a dans le Ok, Help donc là. Center, c'est le Help Center. Ouais, non, mais. Ouais, grosso modo, on pourra s'en sortir quasiment. Ouais, page 440 pour moi. Un truc comme ça. Je crois qu'on revient dans la zone normale, page 440 ou un truc comme ça. Oh la vache. Enfin bon, on a quand même bien avancé. C'est ça. On va y arriver petit à petit. On a passé la barre des 400 pages, c'est déjà très bien. Même page 410, donc il nous reste à peu près 180 pages. Ouais, c'est Et ça. une fois ça fini, on sera un peu plus libéré. On commence à voir le bout. C'est ça. On commence vraiment, on aperçoit la lumière au loin. Et attendez, pour finir sur une bonne note pour Monsieur Tactique Akroma, voir si je le déprime ou pas. Parce qu'il y a ça aussi que j'essaie de tenir au courant à chaque. Des mises à jour, oui. Vas-y. Ouais. Je regardais, Oui, regarde, t'as raison, regarde. Regarde bien, surtout. Hein. Donc, non, pas plus de nouvelles que ça. Ah, mince. Oh, c'est dommage. Hein. Est-ce que c'est moi ou je sens de la joie dans ta voix? Non, mais il n'y a pas que de la joie, il y a de l'ironie aussi. Attends, Bref. et voilà donc. On espère que cet épisode vous a plu. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Et à Sur bientôt. ce, Ciao, tchuss! ciao.